outside, I hang outside. Don't come out the house, cause the gang outside. Bang outside, I hang outside. Don't come out the house, cause the gang outside. Bang outside, hang outside. Don't come out the house, cause the gang outside. Bang outside, hang outside. Don't come out the house, cause the gang. Festival. Oui. Et du coup cette année on remet le couvercle avec le Japan Car Festival, mais vous avez vu sur les réseaux, cette année on est partenaire officiel, on a notre stand, on a un énorme stand, grâce à vous on a pu avoir le plus gros stand de l'événement, on a enregistré 65 voitures à l'échelle sur le club, ouais. Sur le club du Midnight Society. Juste merci. Bah, merci. Merci, parce que grâce à vous on fait des trucs de fou. Et aujourd'hui, on se retrouve tous ici pour organiser un truc de malade. Donc on va aller filmer quelques caisses. Sachant qu'on est le deuxième jour. On est au deuxième jour parce que le premier jour il pleuvait énormément. Une catastrophe. Là on part pour tourner, on va faire plein de choses, vous allez voir plein d'images, vous allez voir les membres sur la piste, vous allez voir les membres dans des voitures très très chouettes. Ouais. Il y a encore des trucs cool qui arrivent. Franchement, vous avez passé un bon moment de ouf. C'est maintenant. C'est là, aujourd'hui, c'est l'event où il fallait être. Et tous les ans, l'event de japonaise en France, c'est ici. C'est le Japan Car Festival au circuit du Ninas Montlhéry. Et c'est grâce à l'UTAC qu'on est là aujourd'hui. Regarde-moi ça. L'assassin. On a réussi à l'attraper, vous l'avez vu tout à l'heure. Il vient de finir de frotter la voiture. Maintenant, il va nous expliquer comment on se retrouve aujourd'hui au Japan Car avec une 300ZX américaine. Vous verrez peut-être pas trop à l'image. C'est important ça, apparemment. Mais elle est plus courte. Et il vient de Lyon, il a fait 5 heures de route comme ça. Ah, t'as fait 5 heures de route comme ça? Pratiquement, ouais. Ah oui, c'est très long et fatigant. Surtout quand on la termine vraiment au dernier moment, mais bon, on est là quoi. Il fallait encore terminer le fit pour que ce soit parfait. S'assurer que la géo soit bonne, il fallait terminer l'échappement. Ouais. Deux trois conneries, hein, toujours mettre la finition, mais on l'avait fini à 18h. Ouais. Et 18h30, on décollait quoi. Ça fait combien de temps que tu l'as? Bah, là, je l'ai acheté en septembre 2023. Elle était complètement rincée. Elle tournait sur 3 cylindres. Okay. La peinture, elle était complètement morte. 3 cylindres, il en a 6. Hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. La moitié du moteur était KO quoi. Ah, enfin... c'est ça, c'est vraiment ça. Elle... Tu l'as acheté, t'es déjà cette couleur? Non. Elle avait été repeinte en jaune Sirius. Ok. Et elle a été peinte, donc elle bullait de partout. La peinture s'est caillée. Okay. Enfin, il y avait du work-up. Donc, t'as commencé par refaire le moteur? C'est ça, on a refait le moteur pour s'assurer déjà que bah, le principal de la voiture c'est bon. Ouais. Donc après bon là le moteur c'est bon. Et après bah, elle est partie en peinture et j'ai acheté tous les accessoires, les jantes, l'air, tout ça. On a tout commandé et après il n'y avait plus qu'à monter. Ouais, plus qu'à. Plus qu'à. Ouais, plus qu'à. Un grand plus qu'à. Et du coup Yohan nous disait, ouais mais c'est une version US. La différence, elle est. C'est quoi? C'est qu'elle est plus courte, c'est ça? Ouais, c'est un châssis court. Ok. Donc elle est légèrement plus petite. On a les. On a pas de banquette arrière sur celle-là. Ouais. C'est une ouais, plus c'est zéro, donc c'est qu'une deux places. Elle a le pare-choc du coup avec l'emplacement US. Plaque, les veilleuses US dans les pare-chocs. Voilà. Qui... Et c'est exactement la même autorisation qu'on a eu ici. C'est ça, ouais. Après, là, c'est un moteur Atmo. Ok. Et il y a la finition. Moins de soucis. Ouais. On se dit déjà qu'il y a deux soucis en moins, ouais, les twin turbo. Parce que d'habitude, elles sont, chez nous, elles ont été distribuées en biturbo. Ce qui fait que le moteur, en plus, de manière générale, c'est pas le plus performant. Il faut mettre beaucoup d'argent pour le rendre très performant. Et il est très lourd. C'est ça. Très mauvaise. Bon, là, on n'est pas sur de la perf, de toute façon. Ouais, on n'est pas sur de la perf. Voilà. C'est juste une GT pour cruiser, mais. C'est une très belle GT. Ouais, attention. C'est incroyable. Moi, j'adore.
J'adore cette caisse et celle-ci est d'autant plus belle. Le problème c'est que la moindre petite pièce elle est compliquée à trouver quoi. C'est les feux qui ont été montés sur la Z, c'est ça? La Z est sur une Lambo je crois. C'est la Diablo non? Ouais, la Diablo. Ouais. Donc autant vous dire que quand tu pètes un feu. Bah tu vas pas chez Lambo déjà. Bah tu fais des feux custom. Je passe pas la main hein. Voilà. Il n'y a pas à dire, c'est stealth quoi. Heureusement, ça reste c'est des Work GT5. Ok, ouais. Devant 18 par 10 à l'avant, voilà. C'était moins 1, et 18 par 11 à l'arrière, c'était moins 19. Il fallait quelque chose qui passe avec beaucoup de carrossage. Mais le carrossage là, tu l'as pas eu avec juste un. Ça, tu fais de la modif. Ouais. Bah déjà, il fallait commander tous les bras inférieur, supérieur, les tirants pour l'arrière, à l'avant pareil, les modifier pour les agrandir parce que c'est fait pour un peu de carrossage, mais pas pour autant de carrossage. C'est pour du carrossage dont tu as besoin légalement pour la piste. Voilà, c'est ça. Donc là, il a fallu couper, rallonger pour faire ça bien. Donc tu vois, tu disais tout à l'heure que tu as juste acheté des accessoires. Qu'il fallait mettre et juste poser, ouais, mais au final tes accessoires tu les as achetés et même eux tu les as custom. Modifié, ouais. Donc au final, t'as calculé ton nombre d'heures parce que tu l'as en soi, tu l'as réalisé vite la voiture. Si on peut dire ça, parce que c'est pas tout le monde qui a pas des chambres. Ouais, voilà, 8 mois. Ça, 8 mois, ouais. Mais on est sur un gros chantier. Le pire, c'est quand t'as des potes du coup qui t'aident à faire la voiture et qui sont dans le même sens que toi et même des fois pire et qui disent vas-y, on met le carrossage abusé. Là, bon, normalement, on était plus ou moins bien. Après, vas-y, on en met encore un peu plus. Et après, au final, on se retrouve avec jusqu'à. Allez, voilà. Non, c'est impressionnant. Allez, c'est bon. T'as fait aussi un petit travail de sellerie que t'as fait toi-même. Non, la sellerie, du coup, les sièges sont passés directement chez un sellier. Ok. Parce que c'est un métier aussi. Hein. J'ai acheté un Newt set de sièges d'origine qui était en très bon état. Donc c'est passé chez un sellier. Et après, tout ce qui est coffre, je l'ai fait moi avec qui tient un garage avec qui on a fait toute la voiture. Qui est Jab Garage? Non, pas du tout, Jab Garage c'est vraiment le groupe. Jab Garage c'est un groupe avec des caisses stents. Et du coup le garage c'est quoi? Le garage c'est Alpha Perf. Ok. Sur la plaque, ouais, j'ai vu à l'arrière. Ouais, c'est ça, ouais, il y a à Pont-Évêque. Et il y a pratiquement toutes les caisses du Jab Garage. Pas toutes parce qu'on est un peu partout en France. Ouais. Mais il y a énormément de caisses du Jab Garage qui sont passées. Okay. Et d'autres caisses qui sont sorties vraiment avec un fit de ouf et tout. Et qui sortent un peu de partout. Je suis pas sûr qu'on la voit tous les week-ends. Non, surtout sur la région parisienne, enfin Île-de-France. Ouais. Sur Lyon, autant on peut me voir. Ouais. Il y a quand même beaucoup de gens qui viennent de Lyon qui ont des belles caisses. Hein. Il y a quand même une petite communauté là. Il y a un microclimat, un biome là. Le loyer coûte moins cher, tu peux mettre dans ton argent. Lyon, ça commence à devenir un peu cher maintenant. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool de voir des projets. Comme je disais, quand j'ai vu les photos, je me suis dit, attends, il y a encore un ricain qui a fait une photo. Parce que les couleurs claires comme ça, tu vois, moi je le vois avec ma turquoise. Ouais. Les gens d'un coup. Il adore les couleurs fâchées. Coupe la caméra. Coupe la caméra, je vais parler du prochain projet. Non. Faut pas spoiler. La prochaine voiture sera. Okay. Je mettrai un bip. En tout cas, merci. Ouais. On va aller filmer les petits détails de la voiture. Et merci. Un membre à ma mère. Ouais, j'espère. Parce que hier, c'était la grosse pluie, ça. Ouais. C'était la merde hier. C'était la merde. Pardon. Il marche sur les gens en plus. Je marche sur les abonnés, mec. Oh là là. Je suis outré. Allumez-le en commentaire. Ce mec a pris la grosse tête. Allez, barre-toi. Tu m'expliques. Là, je t'explique que c'est Kanjo, mon copain. Hey, oh. Très très bien. Je pense à un covering. On voit que c'est un covering sur les ailettes à l'arrière. Elle est pas parfaite. Enfin, sur les finitions, aucune elle est pas de parfaite. Nos caisses sont jamais parfaites, mais là, c'est pas mal, hein, vraiment. J'aime bien. Je suis pas trop hostile. Validé par la street. Non, franchement. Validé par Midnight. Ouais, validé par Johan du Midnight. Je sais que c'est pas l'unanimité. The Ghost. Le mec qui aime les flammes, le mec tribal. Un mec tribal un peu. Ouais, je suis un mec tribal. C'est ça aussi mon lyrique. Hein. Tu vois, t'as des belles voitures,
Il fait pas beau, mais par contre, t'as des belles voitures. Tu peux pister, tu peux pister, t'as des vraiment... jolis bruits toute la journée. C'est le paradis. Ouais. Deux jours par an. D'ailleurs, je repensais à la S15 qu'on avait vue l'année dernière, qu'on avait dit qu'elle était magnifique. Enfin, en tout cas. Elle est toujours aussi belle. Elle est toujours aussi belle. Ça bouge pas. Ah, ça. Tu veux casser mon micro? Ouais, mais ça va, t'as mis la mousse, je me suis dit que c'était safe. Ouais, c'est ça, ouais. Yo les gars, comme l'année dernière, avec l'acolyte, pour l'instant ça s'est plutôt bien passé. Juste le turbo il fait du bruit. Ouais, le turbo fait un peu de bruit, mais bon, ça donnera une bonne raison de passer sur plus gros. Ouais, c'est bon. Si on veut regarder un peu ce qu'il y a autour, on a de la Z Nismo, de la R34 GTR. Une S13 à côté de nous. Là-bas on a une FK8, une FN, y a une FL5 qui est plus haut. Il y a une lanceur Evo aussi, je crois, dans le groupe. Ouais. Il y a pas mal de S13. Il y a quelques têtes qui se sont tournées, c'est très marrant. Je pense qu'à chaque fois que je le fais, mon turbo perd un peu plus de vitalité. Mon moteur me regarde, mais frère, tu fais quoi? Arrête. Du coup, sur le premier tour, tu fais un premier tour... Chauffe les freins, etc. Chauffe les freins, les pneus. Ah ouais, ça envoie direct. Sur le dernier tour, on a perdu un cylindre, on dirait. On fait le bruit d'une tondeuse. Pas fun. Ça s'est coupé ? Là, on est devant le stand de Honda. Ben et ouais. Il manque une voiture ici. Ouais, parce que tu l'as cassé sur la route. Non, j'ai pas cassé. Oh. Je me suis fait casser les fesses. Par le... Ah, ça marche bien. Ah ouais. Je me suis fait tu envoyer fait casser, satellisé fait... par une NSX. Ouais. Ah ouais. Ah c'est ça, ça se règle entre marques en plus là. Une Integra, une Prélude. Mamie, ça marche extrêmement bien. Ouais, c'est une vieille dame, mais elle marche bien. Ah ouais, puis là... Oh là là là. Ah, c'est... Et puis l'anneau, c'est impressionnant, ça, franchement. On sait, ouais, qu'on... Mais ouais. Tout ça pour dire que, voilà, Honda, ça fait plaisir. Tiens. Un marque un peu... Bah, c'est important pour nous. C'est légendaire. Non mais je suis arrivé par là. On est arrivé par là, on s'est connu par là. Et la CRX. Oh. Oh. Damn bro. Voilà. Et quoi. En tout cas, si vous voulez un garage passionné, archi pro, qui fait des events et qui ont des voitures,
Bah comme ça quoi. La nouvelle Tipper, la NSX. Exactement. Bah allez chez eux. Honda de Montlhéry, Linas Montlhéry, garage du Clos. Garage du Clos, exactement. Garage du Clos. Tout à l'heure je cherche. Ils ont des petits. Je crois que c'est Dax ça. Mais viens on va voir. N'empêche, la nouvelle Tipper, je la trouve pas dégueu. Enfin, le livret n'est pas mon style, mais c'est une belle voiture. Moi j'aime bien les trois pots là. En fait c'est physique, mais ça se rapproche d'une Accord en tailleur maintenant. Bah vu que le marché européen. C'est une Accord. Enfin l'Accord n'existe plus. En Europe chez nous, il n'y a plus rien, il n'y a plus de modèle. Hein. Regardez. C'est tout mignon. Mais comment on me voit dessus moi? Putain, si je monte dessus là-dessus, moi je suis vraiment. Ça coûte un peu cher pour juste faire. Ouais mais c'est Honda quoi. Ouais. C'est fiable. Ça c'est joli. Ouais. Sportive. Tu fais japonais. Bah 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 bah. Ouais, y a des tunis sur les motos, mais bien sûr. Mais bien sûr, ils mettent des ailerons. Ils mettent des trucs en Y. Ouais, comme c'est ça, des tubes. Ouais. Des full tubes. Je crois que c'est la seule marque qui a deux logos différents pour sa marque moto et voiture. Ouais. Il me semble que c'est la seule. Et tu sais que c'est la seule voiture électrique que j'aime bien, je trouve mignonne. Ouais, tu sais qu'il y a un gars dans Paname, il la roule avec un kit déco Initial D. Oh. Ouais. J'ai vu sur Insta et je l'ai croisé dans la rue. Oh là 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 là, c'est beau. Mais c'est mignon, ouais. C'est joli. C'est là. Honda i Nescafé. Non. C'est pas ça que c'est le logo, fais pas ça. C'est Nescafé, non? Non, c'est le logo NFC. J'ai même pas le modèle en tête. Ah, mais si, mais c'est S800, c'est ça? S800 Roadster. En fait. Ils en ont plusieurs. Ouais, ils en ont plein. Bref, si vous voulez même aller leur faire un tour, je pense que dans leur concession, vous passez à l'INAS, vous allez faire un petit coucou. Ouais. Vous avez, dites que vous venez de la marque passionnée japonaise, voilà. Les concessions Honda maintenant depuis 1978, donc ça commence à faire un peu. Ouais. Donc on a effectivement un peu d'historique tant au niveau du commerce que des véhicules, parce qu'on a une collection qui commence à être un petit peu ouais, c'est importante. Ça, c'est vraiment de la passion. On a vraiment de la passion auto. Ouais, nous c'est vraiment ce qui nous fait avancer. Et on retrouve malgré tout, même dans les véhicules récents, cette passion, même si maintenant Honda est devenu un petit peu plus fabricant de SUV. On a malgré tout effectivement des qualités de conduite, des sensations sur les véhicules récents qui sont vraiment très dynamiques, qu'on retrouve dans tous les cas l'ADN, et ça c'est important. Et dès qu'on fait à chaque fois essayer les nouveaux produits, c'est toujours le même résultat. On a toujours des clients qui sont emballés, qui sont comme ici, hein, on ne pensait pas que ça marchait comme ça, ouais. On ne pensait pas que c'était aussi sympa. Et voilà, l'ADN est toujours présent. La petite stand de RC Drift, souvent sur les trucs japonais, en fait sur tous les events japonais, il y a ça. Et en fait, ce qui est chiant, c'est qu'à chaque fois, ils n'ont pas de modèle à vendre. C'est un club. Sinon, il paierait lui. Sinon, moi j'en achète. Et franchement, j'attends que ça. S'il y en a dans les commentaires qui sont chauds en RC Drift, j'attends que ça de me faire initier au RC Drift. C'est vrai qu'on passe. Mais j'aimerais trop, mec. Ah, ça peut être un bon projet. J'aimerais trop. On se lance dans le RC Drift en fait, initie, tu vois. Tu vois, ce serait un truc à faire en hiver pour nous. Franchement, j'aimerais trop reproduire ma caisse en RC Drift. Et putain, t'es posé en rasso, tu viens la glisser et tout. Ça tue. Ah, bon, on n'est jamais posé, nous, en rasso. Mais voilà. C'est ce que tu dis, ça. Là, R32 Be-like. Ouais, c'est vrai que. Tu sais que j'ai un poster d'une 32 dans mon appart avec le même kit. Non, là il y a de la pièce. C'est vrai que ça rangeait, hein. Il y a de la piécette là. Hein. Ceci n'a rien à faire sur la route. J'achète fort. Fort. Faire des achats là. Ouais, en direct. J'achète. J'ai fait shut up and take my money. La vidéo et écoute, t'as coupé la caméra. Je dépense. J'y dépense l'argent des abonnés. T'achètes quoi? Une R32. Non. Une GTR 32. Non, c'est vrai. Ouais, ça, mon pote. T'as cru que. Pour de vrai? Une vraie? Non, j'achète un jouet. Après, est-ce que nos voitures ne sont pas des gros jouets? Je ne sais pas. Est-ce que je ne comble pas l'enfant frustré que j'ai pu être? Je pense. Comme tous, hein. Comme tous, exactement. On est juste des enfants. Tu mettras ça sur ton Instagram quand tu l'auras monté? C'est-à-dire? Je sais pas. Quand t'auras fini de monter ta voiture? Je vois pas de quoi tu parles. D'accord. J'ai acheté une petite Silaiti. Ouais, c'est pas mal, hein? Ouais. Et j'ai acheté. Hop là! Ah, j'aime la bien ça. La Skyline Turbo, super silhouette. La version course. Ouais. Et la version road légal. Et ça, on en a pas chez nous. Oh là 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 là. C'est volant à gauche, donc je pense que c'est une belge, potentiellement.
et je dis certainement c'est des beau. Bêtises, mais ouais, c'est une vraie casse-cool. Bon, les gens sont en train de déjeuner. On va pas les embêter trop. On va pas trop les embêter, mais... En fait, il a fait un très joli livret sur sa 14. Attends, parce que ça, c'est vrai qu'il faut filmer ça, c'est magnifique. Mais c'est vrai que c'est... On dirait pas une... Ouais, même d'origine, c'est beau. Hein. Ah oui, c'est très très beau. Il faut qu'il monte dans le drift, les gars. Ah, faut courir. Allez, il court, hein. Là, il s'active, hein. Eh bah oui, hein. Regardez les coulisses. Ouais, du coup, les amis, on se retrouve. On m'a ramené une caméra au dernier moment, c'est cool. On se retrouve dans la S13. On va aller tourner une interview de tout à l'heure. Là, je vais juste vous laisser les images de moi qui change de slip sur la piste. Et regardez, tous ceux qui disent qu'il faut mettre des milliers d'euros pour drifter, regardez-moi ce setup d'une simplicité et vous allez voir la leçon de drift qu'on va se prendre. Là, dans les grandes lignes, on a une S13 et un téléphone qui lui donne les infos du Max EQ. Bon, alors bien sûr, il y a un Max EQ quelque part, mais dans les grandes lignes, pas besoin de se ruiner. Et encore, on est sur une S13, on aurait pu être sur une 36. Oui. Donc vraiment, le drift, si tu veux faire de la compétition, c'est pas forcément abordable au début, mais il y a quand même moyen de s'amuser. Donc vous voyez, les amis, quand on se pose la question sur comment ils ont le tracé en tête, et ben voilà, ils ont leur petite anti-sèche pour ensuite aller foutre le feu sur la piste. Maintenant que je suis remis de mes émotions et que j'ai un peu moins mal aux abdos, je vous ai retrouvé notre magnifique pilote qui a pu habiller en pilote et du coup maintenant il respire un peu. Ouais. Il fait moins chaud. Tout à l'heure il nous a fait le plaisir de nous faire un tour en S13. La 13 elle est juste ici. Et du coup je suis parti de l'alpaguer pour qu'il nous parle un peu de la 13, mais aussi du projet au global parce que ils sont pas que ça, au global ils font plein de choses et puis on va parler un peu de drift, ça fait ouais. Du bien, on attend que c'est bien hein. Du coup petite 13. Ouais, petite S13 préparée avec une petite prépa tranquille qui nous permet d'être plutôt assez fiable. Donc du coup d'autres voitures à côté un petit peu plus préparées, bah elles sont pas là parce que du coup ça casse. Et là celle-là elle est toujours là quoi. Attends, t'es en train de me dire qu'un CA18 est fiable? Ah bah bien sûr. Écoutez, là ça va faire jaser. CA18, regardez. Forgé avec le niveau d'huile, voilà. 300 chevaux, un petit GT25. T'as vraiment été gentil. Parce que ouais, toi forgé, 300 chevaux, tu peux pas le casser. Voilà, au moins ça reste fiable. Ouais. Et puis voilà, on vérifie le niveau d'huile, le niveau d'eau régulièrement. Et puis voilà, on fait des bonnes sessions sans y aller trop non plus. Tu respectes les voilà. Refroidissements tout à l'heure, on s'est fait des petites pauses. Mais en plus, c'était pour l'idée en fait, quand c'est une démonstration, les voitures du coup, elles roulent pas. Donc du coup, elle roule pas ou elle roule peu. Donc du coup, en fait, les voitures chauffent plus. Que ouais, tu fais que les mettre en contrainte et après tu t'arrêtes et bah du coup, elles refroidissent pas comme si tu avais l'air qui passe en fait. Ouais, c'est ça. Donc, voilà, en fait, c'est une pause entre. C'est ça. Limite, il faudrait des voitures beaucoup plus préparées sur le cooling notamment pour avoir des voitures juste de chaud en fait.
C'est quand tu te mets au drift toi du coup? Parce qu'en fait il est là. Ah ouais, je fais une petite pause et tout. T'as une S14 mon gars, non? J'ai une S14, j'ai quelque chose d'autre qui arrive et je me dis bon. Ça lui a donné. T'es là et puis tu driftes quoi. Je crois que le tour que vous avez fait, ça lui a donné envie quand même. En fait, dernièrement j'ai fait l'entretien de la 14 et à chaque fois qu'on sort le vendredi soir, dès qu'il y a, quand il y a personne, je commence un peu à clutch kick. Ouais. Putain, puis elle a des chevaux, elle est déjà préparée, elle sort chez W Autosport la mienne. Je suis là, vas-y, elle m'a été vendue pour 375 chevaux. Le châssis il est full préparé. Et je suis là, je fais que le mec de parking, je suis un peu triste. Mais là tu m'as motivé, j'ai fait bon. Mais c'est ce qui est bon avec le drift, parce que en fait, peu importe, tu peux rencontrer des gens qui connaissent pas. Tu peux rencontrer des gens qui connaissent, quoi qu'il arrive, t'emmènes quelqu'un faire un tour de drift, tout le monde d'accord, ouais, je veux bien croire. Vraiment, c'est quelque chose, et aujourd'hui, c'est plus connu, tout le monde. Il y a beaucoup plus de monde qui connaît le drift, mais même il y a encore quelques années, t'emmenais des gens qui n'avaient jamais entendu parler, et putain, ils sortaient du siège passager, oh putain, je peux m'acheter. Il y a le papa qui a compris qu'on était en train de filmer. Donc voilà, on voit qu'il y a quelques petites pièces, mais ça reste plus ou moins d'origine. Le collecteur d'échappement est d'origine, ça reste un t'as encore la batterie sous le capot. Voilà, tout à fait. Vraiment, et puis, bon, après voilà, des petites innovations. Ça là par contre, ouais. Donc là, c'est... C'est quoi exactement? Alors, au lieu d'avoir un échangeur RR, c'est un échangeur RO. Voilà, donc... le refroidissement de l'air qui rentre dans le moteur est refroidi grâce à de l'eau qui circule dans ce radiateur là. Et voilà, c'est un petit peu du sable. Ouais. Là où c'est pas mal, c'est que au lieu de remplir tout un circuit d'air avec un gros échangeur, là en fait on est assez direct, hein, puisqu'on sort du turbo. En lag. Voilà, donc en lag on gagne un petit peu de temps. Ouais, c'est vachement performant. Après, sur des longues sessions, le liquide va commencer à chauffer parce que le liquide c'est à part, hein, c'est à part de c'est un autre circuit. Et là, quand il commence à chauffer un petit peu, on commence à peut-être perdre un petit peu plus de performance qu'en échangeur RR. Mais sinon, ça met plus de temps à refroidir. Voilà, pour des petits runs de drift, une petite session de 15-20 minutes comme là en grip, c'est vraiment pas mal. Vous allez le voir, vous l'avez vu dans les images tout à l'heure, mais en fait l'écu est directement relié au téléphone en sans fil. Et en fait il a toutes ses pertes. Tu dis l'écu? Le CU. L'écu? Attends, mais t'es au Moyen-Âge? Tu veux des écus? Tu veux des écus? Tu veux des pièces? Tiens mon brave. Un écu. Tiens mon petit bouffon, allez. Hey, oh. Wow. Un peu de respect. C'est vrai. Et là je crois qu'on est en train de coller quelque chose de sympa là. C'est unique, j'aime bien. Ouais. C'est des flammes. On va plus aller au travail avec la voiture. Fait un côté, ouais. Et puis là du coup il y a le côté qui est en son. Donc là, c'est bon. Pour vous expliquer, il y a le papa et il y a le frère. C'est ça, hein? Ouais. C'est familial quoi. C'est familial. Ça tient combien de temps un train de pneus là sur un week-end comme le Japan Car par exemple, ça va? Visiblement ça fait pas long. Ouais. Là on laisse les copains qui ont pas mal de chevaux s'exprimer. Donc ouais. Du coup moi je suis un petit peu en retrait, je fais quelques petits donuts, quelques voilà. Et j'arrive à faire les deux shows de la journée avec un train de pneus. Et puis donc voilà, on peut tenir un petit peu de temps. Après, sinon, bien énervé avec une config, avec des chevaux, ouais, ouais. c'est 5 minutes, 10 minutes. Ouais, voilà, ça peut finir comme ça, quoi. Voilà, exactement, c'est ça. Mais c'est bien, ça fait des petits concours pour gagner. Ouais, c'est ça, ouais. Là, on peut dire qu'on est où. Voilà. Est-ce que, typiquement, hier, il a plu? Ouais. Ça tient mieux avec la pluie quand même? Ouais, carrément, ça tient mieux. On va dire qu'on va peut-être mettre un peu moins, on va un peu moins accélérer aussi. Donc du coup, les moteurs chauffent un petit peu moins et puis les pneus, ça tient un peu plus longtemps. Après, c'est différent parce que du coup, ça va beaucoup plus glisser, c'est un petit peu plus technique, mais ça va moins vite.
Et bah après là, y a aussi, c'est un show aussi, donc du coup tout le monde est là pour, on essaye d'en mettre plein les yeux au maximum. Et sur le sec, c'est quand même beaucoup plus sympa parce que avec la fumée, ouais, bah, on l'a vu tout à l'heure. Moi j'étais voilà. Là-haut sur la tour, je vous observais avec les drones en plus. Non, bah merci à vous pour ce partage. Et, non, franchement, c'est cool. Entre ouais. Passionnés, ça fait plaisir. Vraiment. C'est clair. Vous allez passer en rasso bientôt. Ouais, bah ouais. Sans drift, par contre. Sans drift. Tu peux pousser ta mobilette s'il te plaît. Faut le permis pour conduire ça, monsieur? Non. C'est bien ce que je me disais. C'est un cyclomoteur apparemment. Un petit cyclomoteur. Respecte les cyclomoteurs, ok? Tu le dis parce que lui il en a un vrai. On a un monsieur qui est juste là, qui vient de Lyon, parce qu'à Lyon ils ont décidé de faire des trucs de malade. Non, vous êtes des malades à Lyon. Non, vraiment. Genre Lyon. Ce qu'on peut. La soupe aussi elle vient de Lyon. La bleue. La soupe elle vient de Lyon. Vous êtes des malades, vous êtes des malades. Moi j'ai dit, il y a un micro-climat, il y a un biome là-bas. Je te dis, les loyers sont moins chers. Ils mettent tout dans les voitures. On va parler de cette voiture là. Regardez-moi ce monstre. Ouais, attends, parce que là, j'ai pas envie de me couper avec ça. Attends, mais attends, mais. Ça, Chef. Ouais. Ça c'est. C'est une faucheuse ça. C'est une faucheuse là, attends. Ouais. Tu roules à côté de lui, tu perds des PV. De ouf. Bon, on est sur une magnifique 350Z. Ouais. C'est quoi, c'est une phase 1, phase 2, ouais, phase 3 une phase 1, ouais. Il y a 3 phases, 4. Non ouais. Ouais, donc 280 chevaux. Ouais. Ouais, je suis pas mauvais sur mes classiques. Bah, sur Nissan surtout. Ouais, après, ça sort pas vraiment ses chevaux. Oui, bon. Ça faut pas le dire. C'est déjà pas mal. Il y en a assez pour faire ce que je fais avec. Ouais. De toute façon, je suis pas sûr que tu fasses trop de vitesse avec ça. Bon. Dans les grandes lignes. Oui. Qu'est-ce que tu nous as fait sur ce bébé? Alors, il y a un kit Chrome Carbon Crafting qui vient des États-Unis. Donc, okay. Qui comprend les 4 ailes avec les bas de caisse. Ok. La lame devant, c'est moi qui l'ai rajoutée. Qui vient des États-Unis aussi, c'est Vitré qui la fabrique. Très bien. Les diffuseurs, c'est un street aéro qui vient des États-Unis aussi. Et la voiture, elle vient des US? C'est ça en fait. Non, parce que le volant il est à droite, donc je me suis dit bon. Et l'aileron, pareil, c'est un Big Country Lab. Okay. Qui fait 185 cm. Il est balèze. Ouais. C'est une belle attaque. Pareil, ça vient des US. Il est plus grand que moi. Je fais à peu près 1m80, un tout petit peu moins. C'est vrai que t'es petit toi. Je suis petit, ouais, c'est pour ça que j'ai un grand caméraman. Donc du coup, je peux m'allonger, l'aileron est plus long pour moi. C'est une belle pelle à tarte. Belle pelle à tarte, ouais, vraiment. Puis les jantes des Work. Ok. C'est des CR2P. Qui viennent du Japon du coup. C'est fait sur mesure. T'as pas le choix là. C'est combien de l'argent? Attends, t'as combien de l'argent? C'est du 12,5 en ET-45 à l'arrière. Et à l'avant, c'est du 11,5 en ET-40. Des chiffres que j'entends jamais. Des chiffres, tu vas passer une roto, toi, vraiment, que t'aimes dehors. Non, j'ai pas envie qu'il me les bousille. Ah, vraiment. Truc de malade. Donc toi, t'es sur un full cobri. Ouais. Un peu caméléon, non? Non, il n'y a pas un aspect iridissant ou je sais pas comment dire. Ouais, voilà, c'est le Madeira Red de chez Tegra. Okay. D'accord. Mais il change un peu de couleur. T'as des couleurs un peu cuivrées, ouais. Orange, marron, rouge un peu aussi. Ok. Violet. Et t'as le toit aussi? Ouais, c'est un imprimé. Ok. Les fans de manga, les fans de japonais. Voilà. Les japonaises. Tu vois, Simon, voilà. Les feux, il y a quelque chose aussi. Ils sont teintés, c'est tout. Teintés, t'as la paupière. Ouais, teintés avec la paupière, ouais. Après, ouais, c'est des feux de phase 2, phase 3, classique, quoi. Ah oui, t'as le même sticker Jab Garage, c'est ça? Il a eu quelques belles récompenses quand même, hein. Ouais, après. Elle fait son effet, hein. Bah attends. Ça, c'est de l'année dernière, c'est l'année j'ai pas eu. Bien sûr qu'il a fait son effet. Partage entre les deux. Oui, faut partager, voilà, ouais. Vous avez mis des jolis Recaro? Ouais, des Recaro pole position à l'intérieur. Ouais. Puis un volant Valino. T'as la gestion airlift à l'arrière, mais bon, c'est pas très très bon. Ouais, t'as pas fait un gros câblage ou quoi? Bah, ça c'est prévu dans cet hiver, je pense. Regarde le crew là! Oh là là! C'est joli une Z hein! Ouais? Avant ça! Elle est belle la jaune! Parce que Paul il a une Z en prépa turbo. Ouais, il m'a parlé. Très belle caisse. Merci. Très belle caisse et puis. Allez le soutenir sur Instagram. Ouais. C'est hyper important. Ce genre de projet, ça sort pas de. Hein, il faut les faire. Pour nos amis de Lyon.
En fait, il va falloir qu'on fasse des rassos à Lyon. Ouais, je pense que... Un jeu, il va falloir qu'on se chauffe un week-end, on dit vas-y, on descend. On descend à Lyon, on organise un rasso à Lyon. Ouais, bah c'est ça. Attends, tu t'es fait contrôle, t'avais ça? Oui. Et j'ai encore l'image, c'est foutu derrière, regardez là. Oh, ça dépasse, il me fait... Oh, ça va, c'est limite. C'est limite, mais ça passe. C'est limite. C'est limite. Ça dépasse pas les ailes ni les jantes, mais vu que les ailes et les jantes elles sont rajoutées. C'est ça, c'est ça. En fait, c'est malin, tu sais, tu rajoutes des trucs plus larges au niveau des ailes, et après tu dis bah ça dépasse pas. Ça dépasse pas, monsieur. Bon, aussi large sur les ailes shipstock. Ouais, c'est pas. Enfin, moi j'aime. Faire attention sur la route. Faire attention à la route, c'est super important. C'est un belle tête là. Ouais. Oh, le front de là, voilà, tu vois. J'ai 30 ans, je sais. J'ai pas de calvitie, j'aime juste beaucoup les chapeaux. Oh là là, t'as vu ça? Putain. On va virer le stagiaire. Wow. Ça dégage. Ok, je me casse, allez. Oh Lucas. Eh ouais, on a changé de voiture. Lucas à Montlhéry. Oh tu putain, y'a pas de bouchon par rapport à hier. Ah, on est bien là. Bon, tu peux nous faire une petite accélération, non? Elle est chaude, pas chaude? Oh my god! T'as un beau t-shirt, tu me dis. Drifter qui? Quoi? Attends. Attends. Est-ce que ce serait pas le mot de la fin là quand vous êtes tous les deux arrêtés au milieu de cette magnifique. Avec des caisses qui ne sont pas les nôtres. Magnifique autonome. Ah si, il y a la caisse de Lucas, voilà. Lui au moins il respecte. Ouais, il y a la caisse de Lucas. Ouais, c'est vrai que c'est pas Lucas, c'est pas ta caisse. Bref. Voilà. Ouais. C'est sympa. On fait même des rassos au milieu des circuits. On a fait un rasso en plein milieu de la tour de pont. Voilà. Je sais pas si c'est vraiment autorisé. Midnight Society, voilà. Les gars. Derrière. Bientôt voilà. Dispo. Bientôt dispo. On vous mettra toutes les infos. Abonnez-vous, les gars. Abonnez-vous. Ouais. Laissez un petit like, un commentaire. C'est sympa. Passez sur le shop. Il y a plein de trucs qui vous attendent. Il ne regarde pas, lui. Regarde-nous. Regarde la caméra. Attends, il y a mes collègues. Regarde la caméra, lui aussi. Regarde, il y a tout le fournisseur. Bon. Vous abonnez, tu connais la chanson. Partagez, abonnez-vous. Achète du parfum, Sherlock. Achète ta papa. Plus vite qu'à fond, mais pas trop quand même.